Coucou Mediva, hello mes girls, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je pète la grande forme comme vous le constatez. Bon, enfin, à part la devanture de mes cheveux qui ne pètent pas la grande forme comme moi, sinon, moi, je vais très bien. Bienvenue sur la chaîne de Diva Rosie. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, sachez qu'ici, on parle de teint de peau, de tout ce qui est en rapport avec la peau, mes chéris. Aujourd'hui, là, je fais cette vidéo-là dans un autre cadre. Pour toutes celles qui ont l'habitude de nous suivre et tout, vous verrez que le cadre a changé carrément. Et c'est parce qu'en fait, les boutiques secrètes de Diva sont fermées par rapport à la situation que le monde traverse en ce moment. Et je prie Dieu que vraiment le Tout-Puissant puisse mettre sa main sur cette situation-là pour pouvoir nous aider vraiment à régler rapidement cette situation-là. Donc maintenant, les directs se font à la maison, les vidéos se font à la maison. En Côte d'Ivoire, si on fait les expéditions par... C'est uniquement livraison et puis à l'extérieur c'est DHL, on prend parce que c'est rapide, les postes actuellement là sont super super lentes, vraiment lentes, donc c'est un peu ça. Enfin bref, dans cette nouvelle vidéo là, je vais vous parler de quelque chose. Pour celles qui me suivent d'habitude, vous verrez que mon teint a beaucoup beaucoup changé, j'ai carrément noirci parce que ça fait bientôt un mois que j'ai arrêté de me pommader. Du moins quand je dis arrêter de me pommader, j'ai arrêté de prendre des produits éclaircissants. C'est ma pause que j'ai en profité pour faire, comme je l'ai dit. Pour ceux qui me suivent sur mes réseaux, c'est ce que vous allez comprendre. J'ai chanté il y a longtemps qu'il fallait que je fasse une pause. Il fallait que je fasse une pause parce que dans l'année, il faut faire au moins une pause, une à deux fois dans le mois pour pouvoir mettre sa peau au repos, pour pouvoir hydrater intensément sa peau, pour pouvoir en prendre soin, pour que après le tchat puisse reprendre de plus belle lurette, avec force en fait, mes chéris. Genre le tchat soit à la Beyoncé façon ou à la Black China, je ne sais pas si vous voyez. Donc moi j'en profite pour prendre ma pause. Voici pourquoi le teint en fait il a sombré. Donc ne soyez pas étonnés, dans 2 mois on se réveillera encore avec le teint qui blim 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 blim. Enfin bref, dans cette nouvelle vidéo je voulais vous parler, comme je l'ai dit, de certains laits. Étant donné que ces derniers temps, ces 2 jours, mais moi je ne pommade plus de produits éclaircissants à super fort. Ce sont les produits nourrissants, ce sont les produits hydratants, ce sont les produits clarifiants que j'utilise. Donc je me suis dit, il y a beaucoup de divas maman qui me suivent, il y a beaucoup de divas qui me suivent, qui utilisent des produits éclaircissants super forts pour avoir un beau test. Il y a certains même qui utilisent mes gammes super fortes. Maintenant, qui veulent souvent des laits hydratants, qui veulent des laits clarifiants, qui veulent des laits éclaircissants, mais pas blanchissants, qui veulent des laits vraiment qui rajeunissent la peau, qui donnent de l'éclat à la peau, qui donnent de l'élasticité à la peau. Et parmi les laits que j'ai sélectionnés aujourd'hui, vous allez reconnaître 2 de ces laits-là que j'avais présentés auparavant. Le premier lait, je l'avais présenté dans 10 top laits, 10 top laits à utiliser à la maison et tout et tout. J'avais mis des laits blanchissants là-dedans et puis il y avait des laits éclaircissants là-dedans, des laits tout. Donc, le premier par lequel je vais commencer, c'est Secret d'Âme Gold. Secret d'Âme Gold, je l'aime pourquoi? C'est un lait qui ne va pas vous rendre blanche, blanche, qui va vous donner un bon teint caramel. Il est éclaircissant, mais il n'est pas blanchissant. Donc, vous voyez l'image du teint caramel. Ça va vous donner un beau teint caramel. Ça va hydrater votre peau. Ça va et les rides, les taches et tout, tout. Ça va vous enlever les taches, les rides et tout et tout. Parce que c'est un lait qui est à base d'acide de fruits. Donc, qui est vraiment, qui embellit le teint, qui protège la peau, qui est vraiment, vraiment top. Donc, c'est pourquoi j'ai voulu vous présenter. Maintenant, pour celles même qui veulent faire des mélanges, vous pouvez prendre ça, ce lait-là comme base. Ce lait-là, je l'adore comme base parce qu'il est hydratant. Donc, Secret d'Âme Nature, il est vraiment hydratant. Et puis, la quantité est énorme. Donc, voici un peu le premier lait que je voulais vous présenter. Le deuxième lait que je voulais vous présenter, c'est un lait que vous ne connaissez pas. C'est un lait que je n'ai pas encore fait de vidéo dessus. C'est le lait Kojic. C'est un lait qui est fait à base de kojic, de collagène. C'est un lait qui est super top, qui est super hydratant, qui est éclaircissant, mais qui n'est pas blanchissant. Donc, qui donne de l'éclat à la peau, qui rajeunit la peau grâce au collagène qui l'en contient. Avec ça, vous pouvez avoir une teinte de plus, mais pas, comme je vous ai dit, c'est pas assez blanchissant. Mais c'est idéal, honnêtement, pour quelqu'un qui a une routine blanchissante. C'est idéal de prendre ce lait comme un lait jour. Ne vous inquiétez pas, est-ce qu'il y a une protection, est-ce que c'est un lait hydratant? C'est un lait vraiment top, donc n'ayez pas à craindre, c'est un super bon lait mes chéris. Donc c'est le lait Kojic collagène, super top, et il a une très bonne odeur, donc j'adore l'odeur de ce lait là. Donc ça, maintenant le troisième lait que je voudrais vous présenter mes chéris dans cette vidéo, c'est le lait à la base de vitamine E éclaircissant. Ce lait là aussi, j'avais fait les éloges de ce lait là,
dans une vidéo où j'avais présenté carrément la gamme de ça. C'est un lait aussi vitamine E collagène. C'est un lait éclaircissant, mais pas blanchissant, comme je l'ai dit. C'est un lait hydratant, mais pas blanchissant. C'est un lait rajeunissant à cause du collagène aussi qu'il en contient. C'est un lait vraiment pour les divas mamas, c'est top. Celles qui veulent mettre aussi leur peau au repos, et quand vous finissez de mettre votre peau au repos, vous voulez recommencer un produit éclaircissant pour prendre ça. Pour celles, comme je disais, celles qui utilisent des produits forts éclaircissants la nuit, et puis qui veulent un lait de jour vraiment hydratant, clarifiant, qui va permettre de maintenir le cap. Parce que souvent aussi, quand on se tient trop, ou bien quand on met une pause, et puis bon, quand j'ai une pause pas noircie, il y a des moments où on veut maintenir le teint et tout, on cherche des laits qui ne vont pas faire noircir et tout, il y a celui-là qui est là, il y a celui-là qui est là, et il y a le Belle Dame aussi qui permet aussi de maintenir pendant quelques semaines, qui aide en fait au maintien du teint en quelque sorte. Donc voici les trois laits que je voulais vous présenter dans cette vidéo-là. Le lait vitamine E, le lait Koji Collagène et le lait Belle Dame Nature. Secret Dame, pardon, Secret Dame Nature. Maintenant, comme bonus, je vais vous présenter un savon, deux savons du visage. Un savon à base de glutacogique et puis le deuxième savon à base de miel et papaye et carotte. Donc, j'adore ces deux savons. Ces deux savons, je les adore. Pourquoi? Je les adore parce que ils ont un effet éclaircissement super top. C'est-à-dire que vous pouvez prendre pour celles qui veulent, comme je disais, qui veulent un effet pose, un effet teint clair naturel, un effet teint marron naturel. Vous pouvez caramel clair naturel. Vous pouvez prendre l'un des deux savons comme base ou vous pouvez faire le mélange des deux là. L'idée, c'est de ne pas charger trop, c'est de prendre quelque chose de simple pour entretenir son teint, entretenir, avoir une belle peau. Donc, vous pouvez prendre l'un de ces deux savons ou les deux savons, vous pouvez les utiliser comme votre savon, comme votre routine de savon naturel. Ces deux savons-là ne sont pas gourmands. Donc, ce n'est pas gourmand. Je précise que ce n'est pas gourmand. Maintenant. Vous pouvez prendre pour celles aussi qui veulent un truc soft, qui veulent juste donner l'éclat, le teint naturel, que ce soit un teint clair, que ce soit un teint métissé, que ce soit un teint caramel clair. Vous pouvez prendre ça comme une routine. En fait, je dis, le savon, il va avec tout. Ce savon-là, il va avec les trois laits. Celui-là aussi, pareil, il va avec les trois laits. Donc, il n'y a pas de préférence autre. Je vous donne ces deux savons-là parce que ce sont des savons qui sont vraiment pas super forts, qui vont doucement, surtout pour les trucs, mais qui donnent de l'éclat à la peau, qui donnent un teint. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, non? Comme actuellement, non? Je suis en train de... J'ai arrêté carrément mon chat actuellement, donc je donne des astuces aussi pour aider pour celles qui veulent pas carrément arrêter, mais qui veulent garder certains caps. Et je pense que ces produits-là seront l'outil idéal pour vous pour garder ce cap que vous recherchez. Ce teint, en général, ce teint doux, ce teint hydraté, ce teint... vous voyez, mais tu vas chérie, ce teint un peu mielleux que vous cherchez, autre laiteux. Et tout, il va vous aider. Ces laits-là, ces trois laits-là vont vous aider à avoir. Donc, vous pouvez les utiliser, comme je l'ai dit, pour les jours, pour celles qui prennent des produits forts et éclaircissants. Il y a d'autres aussi qui peuvent les prendre, qui ne veulent pas vraiment éclaircir, mais qui veulent juste embellir leur teint, qui veulent donner de l'éclat à leur peau, qui veulent avoir une teinte, une seule teinte seulement. Et autres, vraiment, vous pouvez les utiliser, mes chéris. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo-là vous aura aidé dans votre routine beauté. Donc, merci à mes divas qui m'ont suivi, qui me suivent depuis le début de cette aventure, cette merveilleuse aventure. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification. Et n'oubliez pas de me suivre sur mes différents réseaux sociaux, parce que c'est là-bas maintenant que tout se passe, mes chéris. C'est là-bas, là, tout se passe. Je vous adore. Bisous.